escalier tout en haut du fleuve. Ah, quelle blague. J'ai quelque chose à te dire. Et Hilaru, c'est sérieux, là. Les élèves j'ai jamais signé pour être ton élève, sans poser de questions. Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille? Je vais aller au camp de Sarah Gina, voir si ce message dit vrai. Hein? Bayek, ça va? Vieux crouton, je ne suis pas ton élève. Vieux crouton. J'adore ce phare. C'est là que j'ai perdu mon pucelage. Ok. Je voulais que tu vois ça. Et puis, grimper, c'est bon pour les poumons. Ta récompense, c'était la vue. Ça en valait la peine, non? Tu as bien fait. C'est agréable de prendre le temps d'apprécier la beauté de ce monde. Tu vois, je passe pour un fou, mais je pense toujours à tout. Souviens-t'en, Bayek. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Je cours au prochain combat. Il est génial. Oui bah ça va, il est parti. Il est parti avant et Bayek monte aux arbres. D'accord, magnifique. C'est mon entraînement en fait. Ah, par tous les dieux. Tu vas pas te laisser battre par un vieux quand même. Il va s'écrouler. Merde. Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? M'emmerde pas, on faisait la course. Repose-toi, grand-père. Un peu de respect, jeune élève. Je courais dans l'arène comme un dément pendant des heures. Pompée m'appelait le dromadaire d'Hermès. J'ai de la ressource. Paramon, je ne suis pas ton... Attends, Pompée t'a comparé à un dromadaire? Hilarus Maximus, le dromadaire d'Hermès. Hilarus, tu dois bien savoir faire autre chose que te battre. Y'a que ça de vrai. Un jour, j'ai affronté toute une garnison. Oh bah plusieurs. Tu peux en dire autant? Ça m'est arrivé. On a un autre combat à mener. Par ici. C'est mon entraînement avant d'arriver chez les gladiateurs. Ouais, c'est un bordel. Quoi? C'est la leçon suivante. Ne te laisse jamais distraire, mon petit. Le dernier combat est à l'intérieur. J'ai rien compris. C'est toi le prétendant? Je sens que ça va me plaire. Allez, ils attendent. Prépare-toi, Bayek. Et je dois affronter qui? Dès que tu es prêt, tu me le dis. Ah, pardon. Moi, j'étais chaud, là. J'étais allé, on y va. Tranquille, je vais craquer les poings. Oh! Hilarus le décrépit veut retrouver sa gloire perdue. Je vois que ces rumeurs sont vraies. Tu t'es trouvé un lion pour assurer ta protection. Ça ne changera rien. Je vais le battre pour l'argent. Toi, je t'écraserai pour m'amuser. J'aimerais gagner, hein, sans vouloir. Je suis l'Apollo de Siwa. Enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'on m'a dit. Espèce de vieux tricheur! Je suis pas un vieux tricheur. Des amis, je vais en faire autant. Et vous? Ah non, hein. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Alors moi aussi, j'arrive. Non. Oh bah non, mais Hercule. Fallait me couvrir de l'autre côté, je pensais qu'il l'avait eu. Oh. Voilà, on va rester bloqué ici tout le jeu maintenant, c'est fini. Non mais c'est pas possible. Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille? Je vais aller au camp de Sarah Gina, voir si ce message dit vrai. Si tu amènes des amis, je vais en faire autant. Et vous? Ah, tu veux vraiment la jouer comme ça? Alors moi aussi, j'arrive. Ça repose en paix, la berline. Allez. Je suis pas une berline. Tiens. Tiens. Ah, ça te plaît, hein? Ah non, hein?
pas de droite dans le dos. Attends, je fais mon super dropkick. Ouh. Alors, il se bat encore bien, mon père, il en a eu, hein. Bon, je vais laisser du temps quand même, faut reconnaître, mais bon. Eh bien, quel spectacle impressionnant. Que dirais-tu d'un emploi stable ? Montrer tes muscles, t'occuper d'éventuels problèmes, tu ne manquerais pas d'attention. Hélas, je suis déjà engagé. Que dirais-tu d'un vrai champion de l'arène ? Hilarus a été l'un des favoris de Pompée. Tu es un peu vieux, mais tu en imposes toujours. Tu sais encore te battre ? Si, noble dame, je suis Hilarus. La jeunesse est dans l'esprit. Je te promets que tu n'auras pas à te plaindre. Si mon élève n'a plus besoin de moi... Alors viens. Nous discuterons des conditions en privé. Ok. Ah ouais, 3000 d'XP. Ouais, ok. Bon, les gars, je m'attendais à une tenue ou... Genre la tenue du combattant de rue, je sais pas. Un bouclier violet. Bon, oui, bon. C'est pas fou. Alors, l'arène est juste à côté. On est passé devant, il me semble, tout à l'heure. C'est ici. Ok. Ça, c'est une très jolie photo. Bon, je vais juste synchroniser ça. Et puis, on va à l'arène. Allez, temple de Sobek. Shinawad. J'ai vraiment peur de l'arène en difficulté cauchemar. À mon avis, ça va quand même être bien coton. On verra bien avec un peu d'entraînement, ça va peut-être améliorer notre niveau général. Ouais, franchement, c'est ça, à peu près la taille de Memphis. Peut-être un petit peu plus petit, un petit peu. C'est beaucoup plus regroupé, il n'y a pas de marécage. Ah, je crois que j'allais être dans le palmier, d'accord. Il n'y a pas un palmier, d'ailleurs. Ah si, c'est un palmier. Alors, l'entrée de l'arène, c'est là-bas, non? Il y a deux mecs devant, j'imagine. Bon, je suis habillé en tenue de gladiateur, entre guillemets. D'ailleurs, il y a une tenue de gladiateur, je crois, hein, dans la boutique. Alors, est-ce qu'ils vont laisser rentrer? C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai pas la quête, en plus. La mâchoire... Oui, c'est ça. Quoi? Oh, épée incurvée légendaire. Trouver, examiner les... C'est génial, ça. Quelqu'un... Ah, au marché noir. Ah, j'avais mal lu la quête. Merde, j'avais pas entendu ça. Ah bah, on y retournera, parce qu'une épée incurvée, j'en ai pas. Il faut que j'en apprenne. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Merde. Ça ne se voit pas? Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça... Je suis bien en romain, ça tombe bien. Mais nombreux sont ceux qui viennent dans ces lieux pour oublier leurs soucis. Ah, sinon il y a un bordel un peu plus loin. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Vous me posez trop de questions, madame, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le registre? Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Que n'importe quelle arme. Ses points sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. C'est sûr que s'il met des points américains au bout. Hey, Neb. Que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerrier aussi féroce. Il pourrait te briser l'échine d'un coup de poing. T'énerve pas, l'autre, il morcelle donc. Est-ce qu'il a un peu les cheveux roux? Partout les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères gaulois? Tu ne sens pas leurs regards? Leurs statues sont là, derrière moi. Oui, oui, mais oh, leurs regards, mon dieu. Chef, il nous faut d'autres combattants. Bah, je suis là. Allez. C'est toi le propriétaire. Oula, vous avez des problèmes de cheveux. Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherche à devenir. T'as vu la tenue célèbre quand même? Non mais... Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chamelier. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, porte un insigne de Medjay. De mettre quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? De chien pelé. Ça se pourrait finalement avec tes airs de... C'est pas possible. Chien pelé.
Non, non. J'ai déjà une égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est pleine d'obélisques. Non mais... C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Bah c'est ce que j'ai déjà fait. Alors, les frères Gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Ouais. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Évidemment qu'on la connaît. Siwa, elle est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. Bah, soit c'est Aya, soit c'est quelqu'un d'autre que j'ai oublié. On va voir ça. Hein. Alors, où est-elle? Pas plus de combat de rue, hein, c'est bon, j'ai donné là. Je me suis déjà entraîné, je suis chaud pour l'arène, on y va. C'est une zone. Ah non. Pas voilà cette femme. Mais. On dirait. Oh! Ah non, je pensais à quelqu'un d'autre là. Ah, je pensais à celle qu'il y avait. C'est elle ou c'est pas elle? Bayek? Mon ami! Non. Mon frère! Non, 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 pas du tout. Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayum? On raconte que c'est un bon endroit pour... prospérer, hein? Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayum, pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de l'arène. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Ah d'accord, moi je croyais qu'on allait boire, faire la fête, mais non, on y va direct. Bon bah c'est parti. Ah merde, je passe un côté d'un truc, ça lance une quête secondaire. Oula, on va avoir un crocodile, non? C'est un mauvais présage. Sobek est malade. Petsuko s'est en colère. L'image de Sobek montre la volonté du dieu. Qu'allons-nous faire? Je vais guérir, Sobek. Continuez à prier. Oui, bah je viendrai lui parler plus tard. D'abord, on va à l'arène. Oh, merde. Oui, oui, bah on ira après. J'ai le droit d'aller tâter un peu d'épée dans l'arène, quand même. Et votre crocodile malade, il peut attendre. Le taureau, hein. Je l'ai bien guéri. Vous attendez. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions.
J'ai peut-être une place pour toi. Et si Kensa se porte garant? Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous? Des guerriers de Siwa. Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. Comme l'Apollon de Siwa, par exemple? Enfin, je dis ça. C'était mon nom de débutant quand je commençais à gagner la croûte dans les rues, quoi. Ça a duré 3 combats, donc c'est pas des tas. Terminer l'arène pour débloquer le mode élite où toutes les rencontres se déroulent à la difficulté max. Bah donc on sera pas en cauchemar. C'est un peu comme le char, non? C'est ici que les combattants attendent leur tour dans l'arène. D'accord. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Ok. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. Pas sauf mes épées. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache, la foule adore ça. D'accord. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs, brève mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée, qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donne. Merde. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa, c'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Suspecte. Bayek, Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ouais, bah t'enflamme pas mon gars. Je veux savoir s'il sait se battre. Juger qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé. Oh non. Qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? C'est moi qui vais être vu maintenant. Voyons si tu as fait des progrès. Ok. Donc, ça commence vachement bien. Pas mal, vieux Medjay. Est plutôt efficace. Vicieux. Okay. D'accord, Kensa. Ok. Tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts. Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire, les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Épée bouclier, génial. Tout va bien, mon ami? Tu as l'air... Je vais très bien. Ça, j'ai réussi à m'emparer. Mais on a assez parlé du passé. Bientôt, la foule te... Oui. On n'entendra pas, Yek, pas, Yek. Non, on n'entendra pas ça. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Ouais, et puis alors, épée bouclier... Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Ah, faire ce qu'on peut. Alors ne décevez pas la foule. Ouais. Écoute, je vais faire de mon mieux. Entrez dans l'arène. C'est leur sang qu'ils réclament ou le nôtre? Feu leur apporte.
Il n'y a pas d'innocence. Ne retiens pas ta larme. Nous ne se gênerons pas. Tous ceux qui se battent ici connaissent les risques. Tu t'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Bayek. Les hommes, les femmes. J'ai tout ce que j'ai toujours fait. Allez, crevez. Est-ce que je me suis piqué sur les pointes? Oui. Pas mal. Bandits des sables ont plus de mordants qu'ils n'en ont l'air. Oula, attention à la lance. Attention à pas se piquer dessus. Ouais, oh, qui m'attaque? J'aimerais savoir. Ah non, hein. Non, j'ai pas très envie, c'est gentil. C'est une gentille proposition, mais j'ai pas envie. Allez, team play. Et nous attirerons le regard d'un riche mécène. Ouais, bah attends, parce que pour le moment. Ensuite, un autre monde s'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale. En mission. Plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Aïe. Alors faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Non, évite de te rouler contre le mur, merci. Ça nous attire toujours des problèmes, genre de choses. J'ai raté ma roulade, c'est pas possible. Non mais contre des novices. Oh là là, mais quelle blague. Alors, il en reste un? C'est fini? Non mais quelle blague. Bon, j'étais mort sur la dernière vague, il n'y en avait pas d'autres après. Ah mais je préfère mes double épées en fait, franchement là ça va être chiant s'il me donne des armes que j'aime pas. Ah, faudra faire avec. Bah là pas loin pour le moment. J'ai eu une idée de génie en associant deux Nigo comme vous. La foule vous attend. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait. Grandiose. Doucement, doucement ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères Gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang de Dieu, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Les affames depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Bah ouais, c'est clair, parce que s'ils partent en mission... peut-être des preuves de l'implication des frères Gaulois. Et Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé? Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Seni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux, c'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène, il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous.
Bon bah allez. C'est quoi, c'est les lions, il a dit ? Il me semble. Ah bah ouais. Ah mais j'en ai marre de mon stuff, il est pourri. Seulement quand Félix. Il coûte bien plus cher que les hommes. Eux, ils ne manquent pas. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est clair. C'est tuer ou se faire dévorer ? De toute façon, ils sont en cage. Ouais, mais à mon avis, on va devoir les libérer, tu vois. Ah, putain de cocotier. Il y a un gros colosse. Ouf. Cette esquive limite hein. Allez à terre. Et tourne. Je croyais que les lions devaient être en cage. Oh non, je prends les coups de l'autre. Bien joué. Je l'ai attiré, elle l'a fini. Ça, c'est bien joué. Attends, j'ai les cheveux pleins de sang. Bon, quand tu gères mieux ta parade, c'est un peu plus simple, effectivement. Wekensa. On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission pour le mécène inconnu ? Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer. Par Anubis, il faut que je gagne. Ouais, bah par Anubis et tous les dieux QE, parce que là, ça va être chaud. Hein. Allez. Oh là là. Parce qu'il y a plein de pièges. Plus qu'une taille, et c'est la fin. Oh joli. Oh. Bah là, on fait pas passer à son dos. Bah j'essaye. Merde, les piques. Attention. Oh,
Ah oui, bien joué les piques. Oui. La chance est de notre côté, Bayek. Ouvre les yeux, Crocodilopolis. Assisteras-tu à l'ascension d'un nouveau prétendant? Les frères Gaulois garderont-ils leur couronne? Merde. Non! J'ai raté mon coup. Roule! Allez! Roule, roule! Petit Bayek! Tu vas manger tes voyous. Oh, j'ai cru que c'était pas fini, j'entends dire non. C'est hardcore, franchement, un cauchemar, c'est hardcore. Mais bon, si on fait attention, ça peut passer. Et qu'on a du bon. Bah, tu pourrais faire ouais ou youpi. Désolée de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. T'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères Gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek. Ouais, ouais, bah t'excites pas, hein, parce que c'est des foutus géants. On construira des monuments et on inscrira nos noms dans les temples. On sera riches, on sera célèbres, on sera des champions. Ouais, 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 carrément. Allez, c'est l'heure. Voici les prétendants. C'est vraiment ça leurs armes, ça va être coton. Ah non, c'est ses poings, c'est vrai. Oh la vache. Ah ok, bon bah c'était rapide. Ah je crois que j'avais pas d'armes, j'entends me dire merde. Mais en fait je lui fais pas de dégâts. J'ai pas compris là. Ah si, là ça a touché.
Ah voilà, d'accord, ok, je viens de comprendre. Attention quand il contre. Quand tu veux pour m'aider, ma grande, hein. Malin va. Attends. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse ou... Non. Et pourquoi il m'emmerde moi? Ah c'est bon. Allez, approche-toi. Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Faut surtout pas s'approcher, mec. Je l'ai assommé. Oh punaise, il est vénère. Ah mais non. Il me mange ou... Je crois qu'il me mange. Ah il va être chaud à tuer, punaise. J'avais esquive. Oh là là. Ah, quand il pète des câbles comme ça, il est super costaud. Oh oui.
Je crois qu'on ne devait pas les tuer. Eh ben, c'était long, mais on a assuré, hein. Des choses terribles, horribles. Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. Oui, gardien, c'est vrai. Siwa. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Berenike, au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire. Alors, tout comme eux, je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non. Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça.